Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue du coup pour cette vidéo, toute première vidéo sur la chaîne, une vidéo unboxing du coup du mini mushroom 6 LED RGBAW de 3 watts chacune. Donc voilà, tout simplement, donc c'est deux marques Ibiza achetées sur Amazon, je crois une cinquantaine d'euros à peu près. Voilà, donc effet mushroom à LED, rouge, vert, bleu, ambre et blanc. Là, je ne savais pas ce que ça veut dire. Voilà, tout simplement, c'est. Voilà, on va en français, nous. Donc, effet mushroom à LED, effet multifaceau de couleur aux dimensions compactes mais puissantes, 6 LED de 3 watts, de haute luminosité, rouge, vert, bleu, ambre et blanc. Mode automatique et contrôlé par la musique. Puissance 20 watts. Alimentation OK. Dimension, ouais. Voilà. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est parti, sans plus tarder. Je vous présente, je fais le débrayage après l'intro. Allez, go. À tout de suite. Donc voilà, nous revoici du coup après du coup la petite intro vite fait. Donc voilà, donc du coup on commence. Je vais poser mon portable et je reviens. C'est pas évident une main. Voilà, je vous fais. Donc voilà, hop. C'est ouvert. Voilà. Donc, on a un petit polystyrène. Bon, apparemment, le polystyrène est vraiment bien. Faut savoir que c'est pas. Faut savoir que c'est pas évident une main. Bon, apparemment, on va sortir la bestiole. Voilà. On a la notice qui est là, mini mushroom, voilà. Une petite notice. Voilà, hop, ça, le carton, on va le poser là. Voilà, donc on va déballer le mushroom. Bon, je fais faire une ellipse pour pour le plastique et puis et puis voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc du coup j'ai enlevé le sachet du mushroom, donc il ressemble à peu près à ça. Il n'est pas si. Il est bien. Pour un petit mushroom, on n'a pas à se plaindre. C'est plutôt pas mal, on a une. Truc avec trois trous, ce qui est pas mal. On va surtout s'intéresser à l'arrière. L'arrière, comme vous voyez, on a des boutons. Donc là, on a le speed, la rapidité, la sensibilité. Et là, si c'est pour mettre en auto ou en son. Donc moi, pour ma part, je le mettrai en auto ou je le mettrai en son. Et en auto, on verra. Voilà. Tout simplement. Et puis là, ça doit être le fusible. Voilà. Donc là, je refais une note. Donc du coup, c'est un mushroom, on va dire, bas de gamme. Enfin, bas de gamme, pas de trop cher. J'en achèterai sûrement un plus cher aussi. Là, toi qui fais le taf, c'est nickel. Voilà. Donc, du coup, je refais une ellipse, je l'installe et on va faire les essais. C'est parti, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve du coup pour cette vidéo. Donc du coup comment j'allais dire du derby, mais non, du mushroom en scène. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez l'apercevoir, du coup ça fait plutôt stylé. Voilà, donc là on va tout de suite faire un tour derrière. Voilà, donc là vous avez comme on dit, j'ai dit la sensibilité, donc vous voyez. Wow.
Voilà, la sensitivité. Hein, comme vous voyez. Là, normalement, si on parle, voilà, ça bouge. Voilà. En auto. Voilà. Et là, je vais brancher une autre lumière. Une autre lumière, attendez. Si je peux y arriver. Donc, je refais une ellipse. Je vais brancher l'autre lumière et je vous retrouve. Donc voilà. Donc là, du coup, ce que ça donne avec toutes les lampes, ça fait vraiment discothèque à la maison, quoi. Tout simplement. Pour ceux qui me demandent, ça, c'est le Triflower. Ceux qui me demandent. Et là, on va faire un test en mettant la musique. Donc pareil, je refais une ellipse et je remets la musique. Donc voilà, nous nous retrouvons du coup pour le test, cette fois-ci, grandeur nature en musique. Donc, hop, son. Je règle un peu, mettre un peu plus fort quand même. On est là, je crois. Là. Sensitivité, on est OK. Ouais, c'est bon. Bon, bah, on est parti pour une test son. On laisse tourner. Voilà, c'est parti. Alors, on est parti. Je vous montre un peu. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo unboxing plus test du nouveau mushroom t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et n'hésite pas à mettre un commentaire. J'y répondrai très rapidement. Bon, sur ce, je vous dis ciao. C'était Benji Événementiel. Ciao. Ah oui, et avant de dire ciao, n'hésite pas à me suivre sur ma page Facebook et ma page Instagram. Allez, bye tout le monde.